nom est Liliane Mathieu, je suis enseignante en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Granby. C'est en 2018, j'ai, en collaboration avec Marilyn Vachon, également enseignante en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Granby, j'ai créé un jeu de société afin d'enseigner une approche d'intervention en éducation spécialisée à mes étudiants dans le cadre du cours Introduction aux problématiques d'adaptation. Donc, c'est un jeu qui met vraiment les étudiants en action avec tous leurs sens. Donc, ils utilisent autant la vue que le côté auditif, que le côté kinesthésique, parce que les cartes du jeu les amènent à justement là, devoir faire certaines actions. Ils se promènent sur un cerveau avec ses différentes parties et à travers le jeu, il y a des cases. Et lorsque tu tombes sur la case d'une couleur, bien, tu dois piger une carte de la même couleur. Il y a des cartes qui sont en lien avec les messagers chimiques du cerveau qui vont faire des actions aux étudiants. Il y a des cartes qui sont en lien justement avec tous les autres facteurs d'influence biologique sur les comportements. Il y a des cartes qui sont en lien avec les interventions, donc qui permettent souvent de régler ce qui a été amené par les cartes bleues ou les cartes vertes. Puis il y a des cartes rouges qui là sont les cartes questions qui permettent aux étudiants de se familiariser avec tout le vocabulaire en lien avec l'approche biologique. Plusieurs étudiants ont mentionné que c'était vraiment un élément coup de cœur du cours Introduction aux problématiques d'adaptation, que oui, ça les a aidés à faire du sens dans leur tête sur pourquoi on enseigne cette approche-là. Est-ce que je retire le plus de la création du jeu comme d'autres stratégies là, que j'ai créées pour mettre les étudiants, c'est, puis je le disais aux étudiants, c'est tellement le fun comme travail enseigné au collégial. C'est tellement merveilleux de voir nos étudiants justement en action de cette manière-là, puis voir des étincelles dans leurs yeux, là, comme quoi ils arrivent à comprendre certains concepts un petit peu plus ardus.